Salut Stack, salut Mohamed, salut Nana, salut Rifouan. Salut Emma, salut à tous. Alors, salut à tous les gens, salut à tous. Ça va et vous? Ça va et vous? Tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Ce sera un dessiné, c'est gagné. Non, je ne pense pas, non. Je garderai. Je peux pas faire non plus des dessinés, c'est gagné trop souvent. Hein. Je peux pas faire des dessinés, c'est gagné trop souvent, les gens. Hein. Je peux pas en faire tous les jours, sinon j'aurai plus de dessins à vous envoyer. Alors, attendez 2 secondes. Ok, tout ça, je laisse. Tac. Alors, je me connecte avec mon compte, hein, j'arrive. Histoire de voir vos messages quand même. Mais du coup, je me connecte juste avec ce compte. Comme il n'y aura pas de dessiné, c'est gagné de toute façon. Comment on écrit Shadi? Alors, je vais te l'écrire. Ça s'écrit comme ça. Shadi. Alors, mon snap, c'est ça. Pour ce, alors salut, tu termineras ton live vers quelle heure? Il va sûrement durer 1 heure. Il va sûrement durer 1 heure le live. 1 heure et je pense qu'on va faire. Bon, on va dessiner un petit peu ce que vous voulez. On va dessiner un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez faire un tour dans la boutique, ils n'étaient pas regardés en description. Pour ceux qui veulent regarder comment ça se passe avec les points et tout. Et puis voilà, t'as Instagram, ouais. N'hésite pas à regarder dans la description aussi Instagram. Tu peux faire un dessiné c'est gagné, s'il te plaît. Non, je ne pense pas que je vais faire un dessiné c'est gagné aujourd'hui. Je vais faire les dessinés c'est gagné seulement vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, les trucs comme ça. Ce soir, il y aura un live. Bah, c'est un live là. Manga, manga, s'il te plaît. Ouais, si vous voulez, on fait un manga. On fait un manga parce que hier, on a fait un Pikachu. Du coup, ça a donné ça. Avant-hier, on avait fait un. Ouais, il est pas mal. Il est marrant le Pikachu qu'on a fait hier. Bon, j'ai dû partir un petit peu vite. Pour ceux qui étaient là, vous savez pourquoi. Mais il est assez cool. Franchement, il est assez cool. Oui, Shadi. Alors, il n'y a pas de E à Shadi, il y a un seul D. C'est Chadi, tout simplement. Tu peux faire des créations de personnages. Oui, c'est ce qu'on va faire. Tu peux faire du Overwatch. Comment on écrit Shadi, s'il te plaît? Chadi, tout simplement. Ken le survivant, s'il te plaît. J'aime beaucoup Ken le survivant. Donc, comme vous voulez. Je pourrais pas avoir de points. S'il te plaît, je pourrais pas avoir de points, s'il te plaît. J'ai pas compris. Alors les gens, je vous laisse donner des noms de personnages pendant 30 secondes. Donc allez-y, mettez ce que vous voulez qu'on dessine et après on va faire un je vais dire les trois trucs qui sortent le plus et ensuite on choisit entre les trois qui sortent le plus. C'est quoi ça, Valt? Potter, c'est quoi ça, Valt? Attendez. Valt, c'est quoi ça, Valt? Valt. Valt. Ah, je connaissais pas Valt. C'est un truc de toupie, non? C'est pas le truc de toupie, là, Valt? Attendez, Valt, descend. Pourquoi ma connexion est lente? Attendez 2 secondes, là, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est ça, c'est le truc de toupie là. Ouais, ça a l'air vite fait. Alors. Chat déconnecté, veuillez patienter. Ok, nickel. Alors, les gens, donc. Ok, je vous laisse le choix parce que du coup, on a fait un Pikachu. Et on avait fait avant le Pikachu, on a fait Mario. Du coup, je vous laisse le choix entre. De toute façon, on peut en faire plusieurs. Entre un personnage de. Un personnage de Overwatch, un personnage Disney. Allez-y. Juste soit Disney, donc Toy Story plutôt, parce qu'il y en a un qui veut beaucoup Toy Story. Soit Overwatch. Vous voulez quoi? Choisissez juste entre soit Overwatch, soit Toy Story. Et je vais voir en fonction de ce qu'il y a le plus. Soit Disney, quoi. Overwatch ou Disney. Alors il y en a un qui dit One Piece, qui a pas compris. Juste soit Overwatch, soit Disney. Overwatch, Overwatch, Toy Story, Toy Story. Toy Story. Ok. Ok. Alors, on va commencer.
On va commencer. Alors attendez, je vérifie juste si vous voyez bien. Alors je vais zoomer un peu plus quand même. Voilà. Tac. Ok. Alors attendez parce que la caméra est pas bien. Voilà, là normalement ça devrait être. Ok, nickel. Alors, je vous mets mon snap ici pour ceux qui veulent, comme d'hab. Snap CHADDIII. Voilà. Et du coup, on va dessiner. Alors attendez, déjà, faut que je cale ça pour que ça arrête de bouger. Je suis désolé si la caméra bouge, mais je suis juste en train de régler un truc et ça devrait être bon après. Voilà. Normalement, ça devrait plus bouger. J'ai dit, tu regardes Clash Euro. Non, t'as dit quoi? Flash ou Euro? Non, je regarde pas, non. Je regarde très peu de séries. Je regarde Dragon Ball Super en ce moment parce que je trouve ça pas mal. Et je regardais Game of Thrones, bien sûr. Alors, Rick et Morty dans Toy Story. Alors, c'est qui ça, Rick et Morty? Rick. Et si on fait un live 100% perso comme ça, on peut faire un personnage Overwatch et un personnage Disney, y a pas de souci. Rick et Morty, c'est pas dans Toy Story, je crois. Hein. Alors, du coup, allez-y, donnez-moi un personnage Disney. On commence par un personnage Disney, après on fera du Overwatch. Donnez-moi un personnage Disney. Petit personnage Disney. Volt, Olaf. Ah, Olaf, ça peut être drôle, Olaf. On peut faire des trucs sympas avec Olaf. Stitch, c'est pas mal aussi. Stitch, ça peut être pas mal aussi. Allez, Stitch ou Olaf. Vous voulez qui? Stitch ou Olaf? Stitch? Mickey, ouais, Mickey, c'est vite fait. Olaf, Stitch. Ok. Il y a beaucoup plus de Stitch. Ok, on part sur Stitch. Alors, comme d'hab. Laissez-moi le temps de dessiner juste le visage en mode neutre et ensuite on s'amuse. Ensuite on s'amuse. Putain, pourquoi j'ai l'impression que c'est hyper foncé? C'est la luminosité de mon tel, je crois, qui est basse et du coup je vois pas bien, ça me stresse un peu, mais c'est pas grave. Du coup voilà, je dessine Stitch. Si vous voyez beaucoup de cheveux, c'est normal parce que je me suis coupé les cheveux, même si je me suis douché, il reste toujours pas mal de cheveux volants, on va dire. Ouais, ok. Après, si vous voulez le Stitch, enfin, on le fait vraiment comme vous voulez, hein. Tac. Donc déjà, on fait la forme. Je commence toujours par faire le nez, moi à peu près. Après, vous faites la forme de la tête. Il est très simple à dessiner, un Stitch, hein. Tac. Là, c'est ce dans quoi sera les yeux. Deux ovales, pardon. Comme ça. À l'intérieur, vous faites deux grands yeux. Voilà. Un à droite, un à gauche. Voilà. Un petit bourrelet. Au-dessus des yeux, la petite houppette, je sais pas comment on appelle ça, sa petite coupe de cheveux. Hein. Houppette, c'est plutôt ce qu'il a Tintin. On fait les reflets, on colorie les pupilles. Putain, je viens de me raser, ça me pique la barbe de ouf là. Alors attendez un peu. Parce que
que ça, c'est un peu de la merde, la musique qu'on est en train de mettre. Quoique ça, ça va. Ok. Des petits plis au-dessus. On accentue un petit peu nos traits. Ok. Ok, je fais juste les oreilles et après on commence à le personnaliser, ok? Je fais juste les oreilles. Ok. Voilà. Alors, donc petit stitch. Petit stitch, c'est parti. Je vous écoute. J'ai juste envie. Alors attendez, je vais juste mettre une petite musique sympa. Ouais, ça je le laisse. Ça je le laisse. Alan. Non, comment elle s'appelle? Attendez. Ah, c'est ça. Ok, je vous écoute. Je vous écoute, les gens, avec une casquette à l'envers. Ouais, ok, on fait ça. Alors, attends. Le corps de Hulk, s'il te plaît, Stitch en mode abeille, ce serait marrant, avec un corps musclé, casquette à l'envers, badass. Ok, on va faire déjà une petite casquette. On va lui faire une petite casquette. Sari, baisse ta voix un peu, s'il te plaît. Alors, on peut lui mettre un petit truc à la bouche. Alors, arrêtez les pubs. Alors, mets le tatouage du Valt. Tu peux regarder sur internet sur la joue du Valt, s'il te plaît. La casquette et la clope. Ouais. Et on va le faire en mode musclé. Parce que j'aime bien faire les personnages en mode musclé. Et vous me l'avez demandé en plus. On va le faire en mode musclé. Mais on va le faire un peu moins gros que les autres, parce que les autres personnages, je les ai fait tellement musclés que j'avais pas trop de place sur la feuille. Donc là, on va raccourcir un petit peu quand même. Voilà, on va le faire musclé, mais modérément musclé. Donc la petite fumée, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Tatouage de Olaf. C'est quoi le tatouage? Des lunettes. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué de lui mettre des lunettes avec les yeux qu'il a. Ou alors, on verrait vraiment plus rien. Avec la cicatrice de Luffy. C'est quoi déjà la cicatrice de Luffy? C'est autour des yeux, c'est ça, non? C'est genre une qu'il a comme ça, en dessous l'œil.
Voilà, petite cicatrice. La casquette, on va essayer de faire des motifs dessus. Une aura, des BZ, s'il te plaît. Ouais, si tu veux, on fait ça. Alors, attendez 2 secondes. Ouais, qu'est-ce qu'on va mettre sur la casquette? Ah, je sais ce qu'on va mettre. Même si normalement c'est à l'arrière, du coup on verrait pas ça, mais on s'en fout. On s'en fout. Quoi? J'ai mangé déjà, moi. Mais tu reviens à quelle heure? Ok. Vas-y. Ouais. Donc, petit logo. On assombrit la casquette en noir. Ok, alors, je vous écoute. Excusez-moi, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Avec un corps de Iron Man, avec le. Alors, derrière le Stitch, tête comme Mangle. Mangle, regarde sur Internet, t'es un débutant. Alors, avec des dents de sabre comme les tigres. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. On va lui mettre des dents. Ça, c'est des bonnes idées. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils ont des bonnes idées. Faut avoir des bonnes idées comme ça, tu vois. Voilà, des petites dents, en plus, ça lui va bien. Alors, fais une cicatrice sur le ventre. Alors, j'ai pas encore fait le ventre. Putain, mais c'est quoi ces musiques qu'ils mettent dans le live aujourd'hui, là? Attendez, attendez, je vais changer de truc. Ok, on va laisser ça. Alors, fais-le avec la tête de Jigsaw. Alors, attendez, là, il y a quelqu'un qui a peut-être une idée sympa. Boucle d'oreille, déjà, on va lui en faire, c'est sûr. Avec le corps de Thibaut et une mitraillette. Pourquoi pas? Pourras-tu dessiner Flash, s'il te plaît? Réponds-moi, tu es le baigneur. Après, pourquoi pas? Combien de temps que tu dessines? Depuis tout petit, une boucle d'oreille vers le haut, en mode racaille. Ouais, on va faire ça. Alors, tatouage de Valt, je vais regarder ça. Alors, attendez, déjà, on va lui faire des petites boucles d'oreilles, petit piercing. Ça va bien avec le personnage. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme boucles d'oreilles? Des anneaux. On peut lui faire des anneaux et une petite étoile comme ça, même si on va pas bien voir que c'est une boucle d'oreille, mais je vais essayer de faire un petit reflet comme ça. Ouais, c'est vite fait. Alors, fais un piercing sur le nez. C'est assez galère de faire un piercing sur le nez. En plus, ça fait pas top. Le corps de Hulk. Ok, on va faire un peu le corps. Voilà. Il a un bras plus gros que l'autre, non? Voilà, c'est un peu mieux. C'est au critérium que tu le fais. Oui, c'est un critérium ça. Fais la mèche de Link. Lol, non, c'est un pro. Une veine style vénère. Ouais, on peut lui faire une petite veine sur le front là. Petite veine qu'ils ont les gens stressés, genre. On peut lui faire des veines aussi. Y a quelqu'un qui me demande si je suis un débutant dans le dessin. Ça veut dire quoi, débutant, en fait? C'est toi qui juge
C'est relatif, tu juges par ce que je fais et tu... Chacun son avis. Mais non, ça fait un moment que je dessine. Si c'est ce que tu veux savoir, ou si tu veux savoir depuis quand je dessine, ça fait un moment. Un petit moment quand même. Petite veine sur le biceps. Vous voulez qu'on lui fasse quoi dans les mains? Fait des tétons. Ok, alors les tétons, ils sont plutôt vers là. On est d'accord, hein, ouais. Voilà, petit téton. On peut lui faire des poils aussi, hein. Voilà un petit stitch bien viril. On peut lui faire une chaîne, un marteau qui prend et qui passe par derrière. Ouais, on peut faire ça si vous voulez. Ça devient dégueulasse. Non, ça va, c'est correct. On a fait juste des tétons. Une guitare à la main. Non, fais-lui une cicatrice de Luffy sur le ventre. Si tu sais pas, regarde sur Google. Fais la cicatrice de Luffy sur le torse. Ok. Je vais regarder ce que c'est. Cicatrice Luffy. Cicatrice Luffy. Ah oui, d'accord, ok. Là, le truc en X là. Ok. Alors attendez, je comme ça. Et je vais lui faire ça. Donc, en gros, c'est une cicatrice qui est un peu comme ça. On peut lui mettre on peut lui mettre le style de gilet qu'il a, Luffy, hein. On va lui mettre un gilet, genre. Voilà, tac. On va lui mettre un petit gilet. Du coup, on gomme tout ça. Parce que c'est à travers le gilet. Voilà. Tac. Ok, du coup c'est la cicatrice de Luffy, hein. Je sais pas si je l'ai bien faite. Mais en gros, de ce que je vois, elle a une cicatrice un peu comme ça. Tu dessines trop bien, merci. Oula, par contre, c'était mal cadré. J'avais pas fait attention. La feuille est un peu dégueulasse parce que je tamponne, hein. Attendez, je vais nettoyer un petit peu ça. Voilà. La tête de Lilo dans sa main, MDR. Vous voulez pas qu'on fasse un décor? Vous voulez pas qu'on le fasse en mode, je sais pas, avec un cocktail où je trouve pas les muscles super bien faits, mais la tête est classe. Ok. Du coup, vous voulez qu'on le fasse comment? Oui, un décor, une plage, un volcan, des épées. On peut lui mettre une épée si vous voulez, une épée dans le dos, genre. Attendez. Comment on va faire ça? On va lui mettre une grosse épée dans le dos. Vous voulez qu'on fasse l'épée de Zelda ou un truc comme ça? Vous voulez qu'on fasse l'épée de quoi?
Décor cannabis, s'il te plaît. Pourquoi pas, on peut lui faire un truc comme ça. Vous voulez qu'on fasse quelle épée? Ouais, une épée, mais l'épée de quoi? L'épée de Link? Ah oui, épée de Link, c'est pas l'épée de Zelda, ça c'est une grosse erreur ça. Zelda, c'est la meuf, c'est l'épée de Link. Ok, on va lui faire l'épée de Link dans le dos. Du coup, là, ce bras, on verra ce qu'on lui met. Mais on va faire ce bras, en gros, en mode... décalé un peu, genre. Du coup, l'épée de Link. Ok, tac. Alors j'arrive pas bien à voir en gros ce qu'il y a. Ah oui, c'est des sortes de... D'accord, ok. Sorte de fil comme ça, bon. Je vais le faire comme ça. Franchement, ça va, elle est assez bien faite. On va la faire ressortir. Donc, moi, ce que je vous conseille quand on voit une épée comme ça, quand on fait une épée, vous prenez une règle pour voir la trajectoire qu'elle a en gros. Là, en gros, c'est un petit peu comme ça. Comme ça, par exemple, là, si je l'aurais fait sortir là, on sait que c'est pas dans la bonne trajectoire. Là, on sait qu'elle est comme ça, donc on va la faire sortir par là. Voilà, épée de Zelda, de Link, pardon, je vais y arriver. Alors... Je colorie le bandeau pour histoire que ça ressorte un petit peu plus quand même, qu'on s'y retrouve plus dans le dessin. On va faire le bandeau qui passe par-dessus le gilet, hein, c'est pas grave. Voilà. C'est pas super bien fait, mais c'est pas grave. Du coup, vous voulez qu'on fasse quoi dans les mains? Ces deux mains sont libres encore, on peut le faire comme vous voulez. Alors... Ah, salut à toi, petit atelier! Salut à toi. Une boule d'énergie. Ouais, si vous voulez, on peut faire ça. On peut faire une petite boule. Alors, déjà, il a un petit souci d'épaule ici. Son épaule est un petit peu haute. J'ai l'impression. Je crois que c'est mieux, je sais pas. En gros, ok. Fait des jambes de crabe. Une démitraillette. Vous voulez qu'on fasse quoi dans cette main là? Déjà je vais faire la forme. Je vais faire la forme de la main. Alors, attendez. Attendez deux secondes. Je regarde juste comment sont les mains de Stitch. Stitch. Ah oui, d'accord, ok. Il a des mains comme ça. Alors. Tac.
Il a 4 doigts seulement et le pouce. Ouais, la main est pas super bien faite, mais en gros, il faut le voir comme un effet de profondeur. C'est là en fait, là il faut que je rajoute un petit peu le coude en fait. Voilà. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et là, on va essayer de faire une sorte de boule d'énergie. Voilà. Alors attendez, je corrige juste un petit peu la main ici parce qu'elle n'est pas super bien faite. J'essaie de faire un truc un peu plus propre. Je suis pas, j'ai du mal encore un petit peu à faire bien les mains et tout dans toutes les positions. C'est pas très évident. Ça demande beaucoup d'entraînement. Mais de faire des lives, ça m'entraîne. Voilà. Alors, attendez 2 secondes, les gens. Alors, ensuite, un gant. Mets-lui une boule d'énergie de freezer ou de boue. Bah, tu peux dire que c'est une boule de freezer ou de boue, hein. Tu peux la voir comme tu veux. Un point américain, s'il te plaît. Il reste une main ici. Il reste une main ici, on en fait ce que vous voulez. Ici, là. Une triforce, s'il te plaît. C'est quoi une triforce? Dédie, s'il te plaît. Je fais pas de dédi pendant les lives, sinon ça va être galère, il y a tout le monde qui va demander ça. Tu feras gagner ce dessin ou pas? Ça va peut-être vous paraître triste, mais tous les dessins que je fais en live, je les garde pas, je les jette en général. Mais c'est vrai que quand c'est un rendu pas mal comme ça, c'est dommage de les jeter. Alors, fais des partenaires. Bah, j'ai déjà fait des vidéos partenaires, enfin partenaires, j'ai déjà fait des collaborations avec Petit Atelier d'ailleurs, qui était là tout à l'heure. N'hésitez pas à regarder, allez dans mes chaînes de recommandations, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse, tout ce qui est petit, statues, polymères, tout ça. C'est super intéressant, on fait des petits tutos. Alors, un éclair, une manette de PS4 dans la main, garde-le s'il te plaît. Bah, à la limite, je pourrais vous le faire gagner, hein, ce dessin, si vous voulez. Hein. Je pourrais vous le faire gagner, hein. Après, il est fait sur une feuille, il est fait sur une feuille A4 basique, hein. C'est une feuille. T'inquiète, petit atelier, il n'y a aucun souci, t'inquiète. Donc, ici, vous voulez qu'on le fasse comment, ici, là? Ici, on lui fait quoi dans la main? Des ailes après. Vous voulez qu'on lui fasse des ailes? Pourquoi pas? On peut faire ça. Déjà ici on lui fait quoi? On lui fait une AK s'il te plaît, c'est quoi une AK? Un gun, un couteau, une Triforce. Attendez, je vais regarder ce que c'est une Triforce. Alors, Triforce. Ouais, c'est un logo quoi. Non, on va plutôt lui mettre une arme. C'est Stitch. C'était Stitch. Après, je sais pas si on peut toujours l'appeler Stitch. Mais de base, c'était Stitch, ouais. Un doigt d'honneur, un gun, un gun, un gun, un gun, un AK-47. Ok, on va regarder ça. AK-47. AK-47. AK-47, c'est un truc à deux mains, donc on va plutôt lui faire un gun. On va plutôt lui faire un gun et on va lui faire un truc. Alors, je vais essayer de le faire, mais je vous garantis pas parce que c'est une position assez compliquée. On va essayer de le faire dans cette position. Mais il va cacher l'épée, c'est un peu dommage. Ouais, non, je vais pas le faire comme ça, sinon il cacherait un petit peu l'épée.
Alors, attendez, hein, j'essaie juste de faire un truc un peu propre ici. Je lui ai fait combien de doigts? Je lui ai fait 4 doigts. Tac. Alors par contre, faut pas que je fasse trop de détails de muscles. Il est censé avoir une veste quand même, le gars. Donc on va se modérer quand même. On va faire le repli de la veste ici. Ok, la main est pas super bien faite. On va j'améliore un petit peu ça. Les doigts peut-être un peu trop épais. Et du coup, est-ce que je me suis trompé? Non. Ah si, en fait il a pas de pouce si je fais ça comme ça. Faut que j'enlève le doigt là et que je mette son pouce là par exemple. Voilà. Tac. Bon, c'est assez bizarre, il est pas hyper bien réussi. La main est un peu ratée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le personnage est pas mal, vous voulez qu'on en fasse un autre? Ou on continue dessus? Les griffes, vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce que vous voulez qu'on continue dessus ou on en fait un autre? Est-ce que vous voulez qu'on parte sur un autre? Un autre, un autre, un autre. On lui fait des ailes quand même ou pas? Dessiner c'est gagner. Non, il n'y aura pas de dessiner c'est gagner aujourd'hui. Ok, un autre, un autre. Ok, on va partir sur un autre perso. Vous voulez qu'on dessine qui? Vous voulez qu'on dessine qui comme autre perso? Déjà, ça fait combien de temps que je live là? Ça fait 37 minutes les gens. Je vais live pendant une heure à peu près. Vous voulez qu'on fasse qui du coup comme deuxième personnage? Shrek. Ah, Shrek, ça peut être drôle, Shrek. Un autre, fais-le gagner, s'il te plaît. Non, ce que je vais faire, celui-là, je vais le laisser tel quel, mais je le reprendrai au propre parce qu'il est assez stylé. Je le reprendrai au propre et du coup, le dessin sera à gagner comme tous mes dessins. Un autre, vous voulez qu'on fasse quoi comme autre? Vous voulez qu'on fasse Goku? Goku, on l'avait déjà fait. Goku, Goku, vous voulez qu'on fasse Goku? Goku, Squeezie, Chuck, Gogeta, Shrek, Shrek. Il y a beaucoup de Shrek. Ok, on va faire un Shrek. Shrek, ça peut être assez drôle. On va faire Shrek. Alors, je vous remets mon Snap ici pour ceux qui veulent, comme d'hab. N'hésitez pas à me parler sur Snap. C'est vrai que je regarde pas souvent le chat quand je dessine. Juste quand je vous demande des idées parce que je dessine en même temps, donc je peux pas regarder le chat. Alors, attendez. Shrek, donc comme d'hab les gens, je dessine le visage en mode neutre et ensuite je vous demande ce que vous voulez pour le customiser. Shrek. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, les gens, si jamais ça vous plaît. Ta caméra, qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? Ta cam, qu'est-ce qu'elle a, la caméra? Je sais pas ce qu'elle a, la caméra. Je vérifie, normalement, il n'y a rien. Ah, elle a bougé un peu. Elle a bougé un peu, excusez-moi si je l'ai fait bouger un petit peu. Donc, on part sur un Shrek. Et on va essayer de faire d'autres personnages avec lui cette fois-ci. Un décor, on va pourquoi pas dessiner l'âne ou des trucs comme ça, genre.
Tac, les petits sourcils. Ok, ses yeux. Ok. Alors, la pupille. Ok, c'est pas mal. On laisse comme ça. Attendez, je... Alors, attendez 2 secondes, je vais vous zoomer peut-être un petit peu. Ou non, on laisse comme ça. Du coup, on essaiera de faire un décor. Du coup, vous voulez qu'on le fasse comment? Dessine la maison de Shrek en arrière-plan. Alors, si tu veux, je regarde juste comment elle est sa maison. Alors. Attends, déjà je lui donne une petite allure. Voilà, petite carrure. Après, on verra comment on le fait. Si vous voulez le faire en mode musclé aussi, ou tout mince, ou comme vous voulez. Du coup, attendez, je regarde sa maison. Alors, maison Shrek. Comment elle est sa maison déjà? Ouais, en fait, elle est sous un arbre, sa maison. Du coup, on va la faire au loin ici, là. On va essayer de faire un chemin comme ça. Alors sa maison est un petit peu comme ça. Alors attendez 2 secondes. Promis, après je change de musique, mais je l'aime bien. Tac. Alors, la petite porte. Voilà, ouais, on va dire que c'est sa maison, hein. Je vais pas perdre trop de temps à dessiner sa maison derrière. Donc c'est parti, je vous écoute. Fais macaron, un œil blanc comme un zombie, le corps d'une femme. Commencez par la tête déjà, vous voulez qu'on le fasse en mode comment? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse en mode Père Noël? Vous voulez qu'on le fasse comment, genre? Fais la dame blanche. On va le faire avec un gros manteau de fourrure là. En train de porter un sac. Le pouce est à l'arrière vers lui normalement. Donc comme ça. Alors admettons que ce soit un sac ici.
Admettons qu'ici il y ait sa main, comme ça, admettons qu'ici il y ait son pouce. Oula, la main est dégueulasse. Putain, heureusement que j'ai le rendu du live à côté, parce que des fois quand on voit le dessin d'un autre angle ou quoi, on se rend compte de défauts qu'on voit pas directement sur le dessin. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez tester vous aussi, hein. Alors, Spider-Man, s'il te plaît. Spider-Man, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse un Spider-Man à côté, un clown? Avec la main de Justin Bieber. Pourquoi elle a quoi la main de Justin Bieber? Avec une barbe, ouais, on va lui faire une barbe. Bon, c'est une fake barbe, hein, mais c'est pas grave. En mode cute, mais genre vraiment. Bah, on l'a fait plutôt en mode papa, là, donc on va pas changer. On l'a fait plutôt en mode papa qui se déguise pour Noël. Fais-lui des lunettes. Fais un clown, ses enfants avec une tenue, cadeau, genre. Alors attendez. On peut faire des trucs marrants avec Shrek, genre des trucs dégueulasses, genre des asticots, des verres, des trucs comme ça, genre. Comme il est dégueulasse de base, on peut s'amuser à faire des trucs comme ça. Alors attendez. Ah oui, d'accord, ah ouais, ces bébés sont super drôles. Attendez, on va essayer de dessiner un de ces bébés dans son bras, genre. Ça peut être drôle. Du coup, son bébé, on va le faire dans ce sens-là. Ils sont super drôles, ces bébés. Je viens de voir des images là, ils sont super drôles. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Du coup, on gomme ici. Donc on va faire comme si Shrek avait son bras qui venait comme ça. Maintenir le bébé comme ça. Alors attendez, je remets de la musique et je change. Alors, le petit bébé Shrek. Alors, on va lui faire son petit nez. Son petit nez comme ça. Sa petite tête. Sa petite oreille. Sa petite joue. Bon, on va le faire dans un sort de truc comme ça, parce que j'ai la flemme de faire le corps. Bon, il est pas super bien fait, le petit bébé, mais c'est pas grave. Attendez, on va essayer de faire un truc drôle. Père Noël, un œil blanc, bébé, poil. Fais-lui des lunettes de Thug Life. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bébé en mode Thug. Alors, attendez. On va dessiner le bébé en mode comme ça. Cigarette.
Et hop, je m'abonne. Merci à ceux qui s'abonnent. Donc, bébé Shrek. Tac. Petite casquette. Merci à ceux qui laissent un petit pouce bleu aussi. Alors après, vous voulez qu'on fasse quoi? Genre derrière et tout, vous voulez qu'on fasse quoi? Fais un traîneau dans le fond. On peut faire ça. Fais un bob au bébé. Soit pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. La dame blanche, je me suis abonné. Merci. Merci à ce... Rajoute Vegeta, s'il te plaît. Dessine-toi. Un asticot qui sort. Je kiffe trop tes des vidéos. Merci beaucoup. Alors attendez, là ça va faire 50... ça fait 52 minutes. Les amis, ça fait 52 minutes que je live. Est-ce que vous voulez qu'on termine sur quelques personnages que je vous fais deviner en mode dessiner c'est gagné? Parce que je vais rester encore 5 minutes, genre. Je reste encore 5 minutes. Donc si vous voulez, on termine. Je vous fais juste découvrir quelques personnages, comme ça vous gagnez quelques points. Oui. Ok, d'accord. On fait ça. Je vous remonte juste le Stitch qu'on avait fait. Le Stitch était vraiment stylé. Le Stitch était vraiment pas mal. Il est là. Franchement, le Stitch est vraiment cool. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Le Stitch, je vais le reprendre au propre, c'est sûr. Hein. Il est vraiment pas mal. Alors, du coup, les gens, c'est parti. Je vous fais deviner quelques personnages. Est-ce que vous voulez... Attendez, je vais vous demander un truc. Est-ce que ça vous dit on teste autre chose là ce soir? On va tester autre chose ce soir. À la limite, ce que je peux faire, c'est vous faire deviner un personnage, mais plus difficile que ce que je fais d'habitude. Et celui qui l'emporte, je lui envoie ce dessin là, direct. Je lui envoie. Ça vous dit ou pas? J'envoie le dessin là que j'ai là, j'envoie cette feuille dès demain à celui qui trouve. Non? Ou alors je vous fais gagner des points comme d'habitude. Oui. Il y a beaucoup de oui quand même. Il y a beaucoup de non aussi. Si vous voulez, je vous fais deviner un personnage, mais vraiment plus difficile que d'habitude, hein. Et celui qui gagne ce dessin, je lui envoie. Non, non, oui ou non? Je le veux, ok, on va faire ça, on va faire ça. Donc le gagnant, celui qui trouve quel personnage je dessine, je lui envoie ce dessin-là, ok? Bon, c'est pas un dessin de ouf, hein, mais bon, c'est un dessin, quoi. De toute façon, je le reprendrai au propre aussi sûrement, donc voilà. Donc, c'est parti. Donc soyez bien attentifs. Cette fois-ci, je prendrai le premier qui dit... Alors, ouais, mais c'est un peu galère. Comment faire? Non, on va attendre le top, hein. Attendez le top, hein. Attendez le top comme d'hab, hein. Mais je vais vous faire des tops beaucoup plus souvent. Ok? Donc attendez le top comme d'hab. Alors, c'est parti. Top. Top, top, top. Un perso dans les Simpsons, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas... Oui, enfin, un visage, lui. Dis-moi-en un peu plus quand même. Ce n'est pas... Ok, stop, stop. Stop. Les gens, je prends plus après le stop. Alors, ce n'est pas... Alors, personne ne l'a dit entre mon top et mon stop, donc je continue, je ne lis pas après le stop, ok? Alors attendez, juste je dois en ban certains. Alors, bloqué de la chaîne. Voilà. Tous ceux qui insultent ou quoi, c'est bloqué direct. Alors, du coup, je continue.
Je rappelle que le gagnant, je lui envoie ce dessin qu'on a fait dans ce live, ok? Le gagnant de ça, je lui envoie ce dessin. Celui qui trouve ça. Alors. Tac. Tac. Soyez prêts et attendez le top. Voilà. Attendez le top, les gens. Top. Top, c'est parti. Top, top, top. Ce n'est pas Saitama. Ce n'est pas Iron Man. Ce n'est pas Iron Man. Alors, ouais, quelqu'un l'a dit. Quelqu'un a trouvé. Donc, je regarde. Est-ce que quelqu'un l'a dit avant? Personne ne l'a dit avant. Du coup, bravo. Enfin, personne n'a dit avant le top. Hein. Donc, bravo à Zelda, défendeur, qui gagne ce dessin, du coup. Zelda Défendeur, bah en plus c'est cool parce que t'as Zelda dans ton prénom et on a fait l'épée de Link. Donc bon, on va dire que c'est pas mal. Bah écoute, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'était, alors attendez, je vais continuer le dessin quand même un petit peu histoire de vous montrer. C'était, regardez qui c'était. C'était le Doomfist là, dans une position assez stylée. Voilà, c'était un Doomfist, c'était le Doomfist en mode comme ça. Voilà. Bref, je fais pas tous les détails, mais en gros, il est un petit peu comme ça. Donc les gens, là, je fais tomber mon stylo. Les gens, je vous remontre quel dessin il va gagner. Il a gagné ce dessin. Tu peux faire gagner Shrek. Je voudrais bien, mais en fait, je peux pas me permettre de faire ça à chaque fois, parce que les timbres, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher, ça coûte pas cher. Mais si vous voulez, si je dois faire... j'ai déjà beaucoup d'envois à faire avec les points, en fait. Du coup, Zelda Défendeur, tu m'envoies un message. Ou de toute façon, je t'enverrai un message. Mais envoie-moi un message quand même. Un message, un mail ou un truc comme ça, histoire que je sache qui t'es. Ou alors sur Snap. N'hésite pas à m'envoyer un Snap. Ça lag. Non, normalement, ça ne lag pas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu avant de partir. Et puis voilà les gens, je vais vous laisser là, ça va faire une heure que je live. Franchement, le dessin qu'on a fait aujourd'hui, le premier, donc celui-là est super cool. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, je vais le reprendre au propre sûrement. Et si jamais je le reprends au propre, il sera à gagner et à acheter pour ceux qui veulent dans la boutique. Ok, donc n'hésitez pas à aller checker la boutique. N'hésitez pas à aller checker la boutique les gens. Ce dessin, je vais le refaire au propre. La boutique est en description pour ceux qui veulent savoir ce que vous gagnez et combien de points vous gagnez. Combien de points valent les dessins? Ok. T'es meilleur. Merci beaucoup. Du coup, les gens, normalement, demain soir, il n'y a pas de live. Parce que demain je pourrais pas, tout simplement. Du coup, je vous donne rendez-vous à jeudi soir pour un nouveau live. Et ce sera sûrement un autre live. Ce sera sûrement un live création perso comme celui qu'on a fait aujourd'hui. Je réserve les dessinés c'est gagné pour le week-end. Je pense qu'on fera un dessiné c'est gagné samedi soir et dimanche soir. Pour les dessiner c'est gagné, ok? Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap si jamais vous voulez me parler ou me faire des réclamations ou quoi, ça se passe sur Snap. Mon Snap est juste là, les gens. Donc jeudi, nouveau live et normalement, il y aura une nouvelle vidéo soit ce soir, soit demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si jamais vous voulez savoir quand je fais des lives parce que ça peut être à tout moment, quoi, ok? Allez, ciao tout le monde. Ciao.